Voilà, de retour sur le plateau de Midi chez nous, eh bien, nos humoristes se sont installés. Je commence par Docteur Philo, le sage Bangué Dagobert, délégué des parents d'élèves du Grand Ouest. Bonjour. Bonjour, nous appelons Bangué Dagobert, nous appelons en tout cas représentant des Grand Nord des parents d'élèves, nous appelons. Après à nous, donc, ce bâton est là pour une déclaration à Doha. Vous nous appelez vous. Donc, vous êtes là pour une déclaration. Doha, mais rentrer scolaire, bébé. Madame, il pense qu'il y a un moment. Non, ça, il faut qu'on traduise ça après. Il faut traduire ça. Ouais, comme nous, à l'école, à Doha, partir. Mais est-ce que vous pouvez le dire en français? Pas trop facile à nous, ouais, nous on peut pas, nous blâme dedans, nous c'est trop compliqué. Après à nous deux, après on nous essaie, ouais. on essaie quand même ouais, de blâme à nous. D'accord, de toutes les façons, on retient l'idée principale, c'est que vous êtes là pour une déclaration. C'est cela, d'accord. Didier Laflamme de l'Estanguet. Autre chose. Le maître de l'école primaire. C'est cela, de l'Estanguet. Oui, il faut dire qu'à l'Estanguet, il y a trop de choses. Aujourd'hui, on va parler de l'école de l'Estanguet, à l'école primaire, comment ça se passe, qui a l'âge d'aller à l'école, et comment ça se passe, c'est de tout cela qu'on va parler. Parce qu'à l'Estanguet, il y a trop de choses. Et je suppose que c'est parce que vous êtes maître que vous avez tous ces stylos accrochés à votre chemise. Vous comprenez vite. Ce sont les grades. Alors, je suis un maître de l'école primaire gradé. C'est ce qui fait peut-être la différence entre un maître et puis un instituteur. Voici, vous voyez, mettez tous les boutons possibles. Et puis voilà, les 5 étoiles vous ici. Vous respectez votre couturier. À l'Estanguet, voilà, c'est comme ça. d'accord. D'accord. Alors, à côté de vous, M. Kwasi Konan Ba Yaokan, Denis Norbert de Perpignan. Ouf, il faut avoir du souffle. Oui, mais vous savez, le nom même dit que je suis instituteur. Parce que tout l'alphabet se regroupe dedans. Parce que c'est ça, c'est ces mots-là qu'on étudie. Et comme on est cadre, de nous A les instituteurs, nous sommes cadres. Donc voilà que on est là aussi ce matin pour réclamer. Bon, enfin, bref, ça n'était qu'un. Un instituteur, un maître, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas pourquoi je suis assis à côté de lui, mais bon, chez nous. On a tout passé, il faut que la chemise soit balèze, parce que quand tu vas chicoter les enfants, il faut que la chemise respecte le vent. Mais c'est interdit. Non, ça c'est les maîtres qui, pour eux, sous les étudiants, nous on continue. Non, hein? Oui, bon, fais un peu, bon, bref, ça n'était que... De temps en temps. Voilà, de temps en temps. De temps en temps, ouais. D'accord. Donc on a le maître et l'instituteur. Voilà. C'est moi le maître. Moi l'instituteur. Voilà, c'est comme ça. Nous on n'a pas besoin d'étoiles. Mais toi, c'est tout là. Et puis dans le tibia aussi. D'accord, c'est compris. Je reviens à vous tout à l'heure. On va d'abord écouter la déclaration parce qu'il est tout de même le délégué des parents d'élèves du Grand Ouest. C'est vrai qu'il a du mal à s'exprimer en français, mais bon, on va tout de même l'écouter. D'après télévision, nous, d'accord, du tout. Est-ce que vous pouvez l'aider? Moi, je suis partout. Il dit qu'il est très content d'être à la télévision. C'est ça. D'accord. Parlant d'élèves, nous deux, pas au premier système ou tout. Nous avons deux groupes à aider. Voilà. Il dit qu'il est très content de moi et que tous les parents d'élèves doivent être instituteurs. C'est ça. C'est déplorable, nous deux. Voilà. Est-ce qu'il y a là, il a déjà tout dit. Là, tu veux pas. Il a dit déplorable. C'est ce que d'accord. Voilà. D'accord. Donc, il dit que vraiment, les parents de l'élève aussi éduquent les enfants. Mais c'est déplorable. Et qu'est-ce qui est déplorable dans le fait que les parents d'élèves éduquent les enfants? Déplorable, nous, en complication à nous deux. Par nous deux gouvernements, nous, par les bulletins. C'est ça. Il dit que le gouvernement doit leur donner aussi des choses. Mais c'est compliqué. Benedra, seul le go. Voilà. Il dit qu'il aussi doit avoir virement. Benia, ta monnaie, il y a que de la nocosso. Voilà. Et aussi, il veut aller au solde. Benia, de la nounou. Sous-préfet a gagné comme un mec, t'es Norbert, ni un gueule. Là, c'est compliqué. Sous-préfet, t'es Norbert, ni un gueule. Là, c'est compliqué. Le sous-préfet se reconnaît. Ouais. Je ne veux pas traduire ça. C'est quoi, cette description? Il y a nous sort.
Barca Caroline a été nous tous. Bonne coup. Le mot est sorti là-dedans. Bon, après, on va se voir dans les coulisses. Mais attendez, ça ne va pas se passer comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes en direct là. Bon, madame. J'ai entendu Caroline, j'ai entendu RTI. Bon. Alors, vous allez me faire dire. L'émission va s'arrêter carrément. Non. Il dit vous animez bien, que vous êtes toutes belles ce matin. C'est ça, non? Je crois que c'est ça. Bon, madame. D'accord. Madame, en tant que sagesse, nous, si il ne peut pas. Il y a débrouillé. Parce que nous, à quoi foutre ça à moi, de, si nous, ça ne nous arrange pas. Je suis un responsable, nous. D'accord, donc je vais traduire pour vous. Il dit qu'il est, irresponsable et que la traduction ne l'arrange pas trop et que si ça continue comme ça, il risque de, parler français. C'est ça. Alors on peut applaudir alors. Voilà, tout à quoi, mais la compréhensibilité à nous, nulade. D'accord. On reviendra à vous, chers parents d'élèves. On va donner la parole maintenant à l'instituteur, M. Kwasi Konan Bayao, quand Denis Norbert de Perpignan. En tout cas, il tient à ce que tout le nom soit prononcé, donc soit cité. M. Kwasi Konan Bayao, quand Denis Norbert de Perpignan. Voilà, président des instituteurs Baoulé en fonction. Alors, il faut dire que on est fatigué. Parce que nous, les instituteurs, on a participé à l'éducation de cadres. Nous-mêmes, on est cadres. On est cadres. Parce que, regardez, on dit un bâtonnet plus un bâtonnet égale à deux bâtonnets. Tout à fait. Mais quand l'enfant ne comprend pas le français, qu'est-ce qu'il faut faire? L'instituteur Baoulé va traduire. Il va kakoué, Donc notre Tini a participé à l'éducation. Tout à fait. Donc il faut que le gouvernement, à partir de l'année prochaine, fasse les livres de CP1, CP2 en Baoulé. Ah. Parce que un beignet, deux beignets. Une beignée ou bien un beignet. Maître. Beignet. Un beignet, deux beignets. C'est un beignet. Non, one, parce que c'est comme ça que je parle l'anglais. You know, I've heard the English before. One beignet, your additional one. Donc, comme l'enfant ne comprend pas ce que c'est que beignet, l'enfant comprend facilement. Et c'est pourquoi nous, on est là. Et si l'enfant n'est pas baoulé? Bon, l'enfant n'est pas baoulé, va être baoulé. Ou bien vous êtes juste dans des villages baoulés. Donc quand c'est comme ça, tu sais, nous on aime donner cocotte aux enfants. Non, c'est pas bien. Et puis ça permet aux enfants d'être quand même intelligents. Parce que au centre de la tête se trouve l'ordinateur principal. C'est là que se trouve le tableau. Ouvre les yeux. Non, il y a le truc qu'on parle. Ouvre les yeux. Si tu ouvres les yeux, c'est pas bien. Ah, d'accord. Donc quand il tape là, l'enfant se rappelle qu'effectivement tu as dit ça. Donc vraiment, nous on est là. Pour que l'État pense à nous. Parce que nous, on sont des cadres. On est fatigués de porter les grosses chemises. Mais quand même, quand il fait chaud, et on nous balance au nord, dans la chaleur. Et on fait comment? D'accord. Alors, Didier Laflamme de l'Estanguet, vous qui êtes le maître de l'école primaire de l'Estanguet, est-ce que les inscriptions ont commencé là-bas, à l'Estanguet? Il faut dire que, vraiment, je suis très heureux. Quand il parle, tu vois, l'instituteur à l'Estanguet, ça fait trop enfant. Ça fait chez nous, à l'Estanguet, maître. Parce que pour faire CP1, là, il faut avoir l'âge pour aller faire CP1. À l'Estanguet... Excusez. Oh là là, c'est qui ça? Excusez-moi. Allô? Oui, je suis occupé, oui. Oui, c'est la flamme de l'Estanguet. Vous voulez quoi? Pour l'inscription? Oui, votre fils, il a quel âge? Mais allez-y à l'école de l'Estanguet. Il a quel âge? 20 ans. CP1. Mais tu sais que ce n'est pas possible. 20 ans, CP1, ce n'est pas possible. Ton enfant, il est petit. 20 ans? Non, toi, tu sais bien que pour aller faire CP1, il faut avoir 25 ans au moins. Ton enfant, il a 20 ans. Il ne peut pas faire CP1. Mais il faut le mettre au jardin. Bon, j'ai dit, toi-même, tu sais qu'à l'Estanguet, pour faire CP1, là, il faut avoir 25 ans au moins. Il a 20 ans, il peut faire... Oui, jardin. Tu veux négocier avec moi? Bon, je te rappelle, je suis occupé. Vous voyez, à l'Estanguet, les inscriptions ont commencé. Mais pour faire ce pays à l'Estanguet, là, il faut avoir au moins 25 ans. Ah bon? Oui, parce qu'à l'Estanguet, il y a trop de choses. Voilà pourquoi il faut un maître
pour enseigner une classe de CP1, instituteur, devant les élèves qui ont 25 ans. Non, ça fait enfant. Mais quelle est la vocation du maître pour qu'il puisse enseigner des élèves du CP1 qui ont 25 voilà, ans. Voilà, 25 ans au moins. Mm-hmm. En tout cas, là-bas, on fait les notes avec ça. Et puis, là-bas, on se corrige entre nous. À l'Estangué, il y a trop de choses. On se corrige entre nous. Parce qu'on est entre nous, je vais dire, entre nous, adultes, on se connaît. Mm-hmm. Mm-hmm. Ça, c'est pour les doublins. Quand je prends ça, les doublins, ils se connaissent. Si tu sais que tu n'as pas étudié ta conjugaison, passé simple, conjuguer le verbe subjuguer, ça va subjuguer. Ça, c'est pour les nouveaux. CP1. Quand on est en classe, et puis on est en train de faire cours, CP1, il y a un élève de 35 ans, je l'ai envoyé au tableau. 1 plus 1 égale à combien? J'ai dit, 35 ans. Ah bon, 35 ans. Hein? Mm-hmm. J'ai dit, l'élève est barbu. Le maître est barbu. Le maître a une grosse voix. L'élève a une grosse voix. La fille, elle est plus en forme que la femme du maître. Et puis on fait cours. Tu as 35 ans, je t'envoie au tableau. 1 plus 1. Il est au tableau et puis il joue sa barbe. Il a arrêté comme ça. Je lui demande, mon ami, 1 plus 1, c'est à cause de 1 plus 1, tu es en train de réfléchir comme ça là. Il me regarde comme ça, il dit quoi? À cause de 1 plus 1, moi j'ai réfléchi. Je suis en train de réfléchir à ce que ma femme m'a fait hier. Yeah, hein? Ça m'énerve, demain je viens. 1 plus 1, moi je ne connais pas. Et puis il sort. À un moment, il revient, il dit 1 plus 1, c'est quoi? 1 plus 1, c'est pas 3. Je reviens, hein? Faut pas quitter. Et puis il s'en va. Donc je dis, bon, comme c'est comme ça, on va faire cours d'histoire. C'est là que j'ai posé la question à mes élèves, sinon que à ma catégorie, parce qu'on est tous catégories là-bas. Qui a tué Samori Touré? Ça m'humilie dans la salle. Qui est Samori Touré? Samori Touré. Mais qui va tuer Samori Touré? Il dit, mais qui a tué Samori Touré? Personne ne répond. Puis j'ai interrogé un garçon, il est derrière là-bas. Toi, qui a tué Samori Touré? Je n'ai rien compris. L'enfant, il a dit, l'enfant. Le monsieur, c'est payé, il tombe en transe. Et puisqu'il a plus de 25 voilà, ans. Voilà, il tombe en transe. Benengblé! Yo, quoi tu yo? Yo, monsieur, Benengblé! Monsieur Wagno! Monsieur Dike, qui a tué Samori Touré? Je dis, arrête ça! Moi, je te demande qui a tué Samori Touré, qu'est-ce que tu me fais? Faut voir les élèves. Monsieur, laissez, c'est un combien, ces genoux vont répondre. Benengblé! Monsieur Wagno! Monsieur Dike, qui a tué Samori Touré? Yo! Oh, Samori Touré! Bouddha! Oh, Islam! Monsieur! Génie Wagno! Génie dit que si tu veux savoir qui a tué Samori Touré, faut donner un coco rouge, un billet de 10 000 francs, 3 complètes de pain, sinon tu vas mourir. Aïe! Moi, j'ai pensé que c'était un jeu, j'ai dit, mais c'est quoi ça là? Appelez ses parents, quand ses parents sont arrivés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses parents sont arrivés à Tam Tam, faut les voir. J'ai dit, mais c'est quoi ça là? Dites à votre fils d'arrêter ça. Benengblé, monsieur, tu donnes pas, tu vas mourir. Hein? Il dit, mais attends, on peut négocier, non? Et puis il interroge encore ses génies. Monsieur, Benengblé, monsieur. Yo, si tu veux négocier, les génies disent que désormais, s'il y a classement, je n'ai qu'à être premier. Depuis ce jour-là, l'enfant est le premier. J'ai fait comment? Moi, j'ai pensé que c'était... Le monsieur, il a plus de 25 ans. CP1, il est premier seulement. Oh, bon, merci d'accord. Beaucoup. Alors, quel est le point de vue du parent d'élève sur ce que vient de dire le maître? C'est compliqué à Doua, mais ce qu'il est en train de dire... Bon, je vais demander quand même. Ce qu'il est en train de dire, c'est déplorable chez nous. Parce qu'à Doua, Kouroulou, Estangué, je ne sais pas si c'est village ou ville. C'est un monde qui est à côté, où il y a trop de choses. Différenciation en grand ouest à nous deux, nous les Yaouba, Doua, on ne peut pas interpréter ça. Nous, Doua, Kabododou, c'est à ses problèmes et risque et péril, nous, Doua, Kabodou. Parce que génie à Toko, nous, c'est masque qui est chez nous. Masque à nous, il y en a qui a long, il y en a qui a court. Doua, appelé à nous deux, quoi, c'est deux coups, ça lui renvoie les deux coups pour elle, nous deux. Trop de choses. D'accord. On va